Déposer un roman? Non, non, excusez-moi, j'ai pas le temps là, je m'en vais. Ah, je vous gêne peut-être? Ouais, poussez-vous s'il vous plaît. Et touchez pas le véhicule. Je peux regarder parce que. Non, non, vous touchez pas le véhicule parce que ça pourrait mal aller. Parce que... Touchez pas, non, n'insistez pas, je vais vous lâcher mes chiens. Non, mais excusez-moi, j'ai pas. Excusez, s'il vous plaît. C'est... Enlevez vos doigts là. S'il vous plaît. Enlevez. Non, voilà, vous touchez rien là. Enlevez-vous, vous gaspillez mon air. D'accord. Je voulais juste regarder. Non, même pas. Même pas en image, même pas en rêve. Je peux vous regarder partir alors. Même pas. Vous tournez. Vous regardez là-bas. Dis pas.
photos, on est à Cannes ici, c'est pas la période de faire des photos, c'est cool, je dois l'emmener chez lui. Poussez-vous. C'est qui c'est? Non, je vous dirai rien. Qui est, s'il vous plaît, le nom de cette célébrité? Non, elle est française, c'est tout. Voilà. On peut en attendant regarder l'intérieur? Non, je vous ai dit que non, il y a des effets personnels de la célébrité, elle veut pas qu'on regarde l'intérieur de son combi. C'est donc juste filmer, juste le tableau de bord? Non, même pas, parce que les kilomètres sont faux. Pourquoi? C'est juste là, comme Je ne dirai plus rien, ça suffit maintenant, si vous voulez bien dégager. S'il vous plaît, je vous ai dit de pas filmer. Je vais appeler le chien. Bon, si vous voulez filmer, il faut payer alors. Vous voulez payer pour filmer? Par les effets personnels? Les effets personnels de qui d'abord? L'acteur français qui doit arriver. Tout à l'heure, c'était une actrice? Non, c'est un acteur. Ne me mettez pas en... D'accord. Et vous êtes la bonne de ménage aussi? Non. Là, ça fait longtemps, c'est un véhicule que ça fait longtemps qu'elle a pas été appelé, il n'a pas été appelé à Cannes. Ah d'accord. Alors le véhicule il attendait depuis au moins une vingtaine d'années dans un garage. Alors c'est pour ça qu'il a pris un peu de temps. S'il vous plaît, là, reculez, vous êtes en train de salir la peinture là. Je viens de la refaire. Oh. Ah oui, c'est moderne, hein. Oui, c'est vrai. C'est très moderne comme style. Hein. Ça serait pas ce qu'on appelle du pop art? Non, c'est du rats. C'est une tendance rouillée, tout ça, qui roule, qui est un peu... Normalement, c'est raqué au sol, mais là, pas moi. Alors, s'il vous plaît, ça suffit maintenant. Je vous ai dit bien assez. Fait beau aujourd'hui, hein. Ouais, il fait beau pour les... Hein. Allez, au revoir. C'est pratique comme véhicule, c'est presque comme un camping-car. C'est un camping-car. C'est le camping-car de quelle célébrité alors? Si je vous le dis, vous allez mourir de rire. Ah, déjà, c'est un indice, ça. On sait que c'est une célébrité comique. Voilà. D'accord. Franck Dubosc. Eh oui, c'est ça, c'est le véhicule de Franck Dubosc. C'est le véhicule qu'il prend pour aller au camping. Secret de famille. C'est le camping-car de la fille du prêtre. Voilà, c'est là où elle se fait troncher. Compris? Voilà. Ah oui. Voilà. Ah oui, effectivement. Faut avoir vu le film. Ouais, moi je l'ai vu. Vous? Et ces taches de rouille là? Ça, c'est rat. C'est rat? Ouais, c'est rat. Elles n'étaient pas là avant, en fait, ça fait partie de la... Voilà, l'ancienneté, ça fait 20 ans qu'il y a... Non, mais je veux dire, c'est le créateur de ce camping-car qui a fait ça. Ouais. C'est de l'art. D'accord, hein. C'est de l'art, oui, c'est de l'art. C'est du César. C'est de l'art rat. Voilà, tout à fait. Bon alors, vous partez là. Là, je m'en vais, regardez, j'ouvre les ailes. Je décolle. D'accord, mais vous démarrez que je puisse entendre le bruit du moteur. Ah non, j'attends le coucher de la lune. Le coucher de la lune. Là, t'as l'air content. Thank you.